Hello, salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Cette petite vidéo, c'est juste pour savoir comment tu vas. Et si tu es tombé sur ce message, c'est parce que Dieu voudrait que tu écoutes attentivement ce message. Est-ce que tu sais que quand tu t'inquiètes, tu es en train de glorifier Satan? C'est ce style, non? Oui, parce que quand tu t'inquiètes, en fait, tu es en train de réagir comme Satan voudrait, en fait. Tu es en train de lui dire oui, c'est bien ce que tu es en train de faire, vraiment, ça agit bien en moi et tout. Mais quand tu ne t'inquiètes pas, tu es en train de glorifier Dieu parce que tu fais confiance à Dieu, parce que tu montres que Dieu est plus fort. Il est au-dessus de tout. Et ce que Dieu a fait, en fait, c'est que il fait tout pour voler ta joie. Quand il t'affecte, en fait, quand il t'attaque au niveau de ton corps, de ta santé, de tes enfants, de ton foyer et tout ça, c'est pour te voler ta joie, rien d'autre. Donc, si malgré que tu sois attaqué dans tout domaine possible où le diable va aller faire ces histoires-là, et que malgré tout, tu mets ta confiance en Dieu et que tu gardes la joie, imagine un peu la tête de l'ennemi. Imagine sa tête en fait, parce que ce qui veut te voler, c'est ta joie. Il y a beaucoup de personnes qui ont, j'ai envie de dire, tout entre guillemets, mais qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de joie. Donc, si tu as tout et que tu n'as pas la joie, le diable est tranquille, donc il ne va pas s'occuper de toi. Non, 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 non. Mais si, même si tu n'as rien et que tu as la joie, non, il ne va pas te laisser tranquille, parce que c'est cette joie-là qui veut étouffer. Donc ne lui donne pas cette joie. Garde ta joie, quelles que soient les circonstances. Reste joyeux, reste joyeuse. Souris. Ne donne aucune occasion à l'ennemi d'avoir un tout petit sourire comme ça sur les lèvres. Non, 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 non. Non, 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 du tout. Et quand il remarque, en fait, quand il sait exactement là où ça te pique, c'est là qu'il va toucher chaque fois. Donc, si tu rends compte que tu es excité chaque fois que ton enfant est affecté ou ton foyer peut être affecté et tout, c'est là qu'il va piquer. Mais si malgré tout, tu restes stable, tu restes joyeuse, tu restes joyeux, tu restes dans la louange, alors rassure-toi, tel que la parole de Dieu le dit, résiste au diable, il s'enfuira loin de toi. Il s'enfuira loin de toi parce que ça ne donne pas. Il va comprendre qu'il est assommé en fait. Rien ne détruit le diable que de te voir sourire. Tu peux ne rien avoir, mais garder ta joie est ce qui le rend malade. Donc, n'hésite pas chaque fois que tu veux danser, tu veux chanter. Peut-être que d'autres vont croire que tu t'en fous de ta situation. Non, 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 non. C'est que tu fais confiance à Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Et c'est ce qui compte. Donc, je vais t'inviter vraiment dans cette vidéo à garder ta joie. Garde ta joie. Souris, ris, ris, ris sans cesse, souris. Ne laisse rien voler ta joie. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et je t'encourage vraiment à demeurer dans la louange et dans l'action de grâce. Car Dieu mérite qu'on le loue à tout instant. Prends soin de toi et n'hésite pas à partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!